Mesdames et messieurs les maires, bonjour. En tant que secrétaire général de la préfecture, je vais vous présenter les missions de la préfecture de Tarn-et-Garonne, hormis celles ayant trait à la sécurité, au protocole et à la communication qui relèvent du directeur des services du cabinet. La préfecture, c'est d'abord 115 fonctionnaires, y compris ceux de la sous-préfecture de Castelsarrasin. Ces missions se répartissent classiquement en deux grands blocs. Les missions régaliennes, ce sont celles pour lesquelles le préfet exerce un pouvoir de décision exclusif ou partagé avec vous. Et l'autre bloc, c'est celui des missions interministérielles de coordination et de soutien qui notamment permettent d'accompagner et de soutenir vos projets. Les missions régaliennes sont exercées par la direction de la citoyenneté et de la légalité. Premier bureau concerné, le bureau des élections qui, comme son nom l'indique, sera votre interlocuteur pour l'organisation de tous les scrutins, des élections municipales bien sûr jusqu'aux élections européennes. Cela comprend la vérification des listes électorales, cela comprend la préparation matérielle évidemment du scrutin, la collecte de la propagande et son expédition et bien sûr la collecte des résultats le jour J. C'est une matière qui exige beaucoup d'organisation et de rigueur, mais pour laquelle vous serez accompagné pas à pas par les services de la préfecture. Le bureau du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire est le deuxième grand bureau de cette direction. Le contrôle de légalité, comme vous le savez, ce n'est pas la tutelle, car sinon cela signifierait que le préfet est encore en mesure de réformer lui-même vos actes. Ce n'est pas un contrôle de l'opportunité de vos actes, c'est le contrôle de la conformité juridique des actes que vous prenez et de vos délibérations. L'enjeu est bien évidemment, au-delà de la conformité juridique, celui de la sécurité de vos décisions. Cette sécurité, elle est financière, elle peut être pénale dans les cas les plus sensibles et il peut même s'agir d'un sujet de sécurité humaine. Si je prends pour exemple une autorisation d'urbanisme qui serait prise en ignorance d'un document qui interdit de construire dans un endroit, dans une zone qui est inondable. Les quatre grands domaines sur lesquels vous aurez des échanges les plus fréquents sur le contrôle d'égalité, outre l'urbanisme, c'est la fonction publique territoriale, les marchés publics et les interventions économiques des collectivités locales. N'hésitez pas en tout cas à échanger avec les services en amont de vos décisions. Nous sommes là aussi en une fonction de conseil par rapport à cette matière juridique. Le bureau des étrangers est la troisième pièce de cette direction de citoyenneté et de la légalité. C'est le bureau qui, comme son nom l'indique, traite de l'accueil, du séjour et de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. C'est une matière sur laquelle nous échangerons a priori assez peu, même si les situations individuelles peuvent ponctuellement le justifier. Enfin, la préfecture, qui historiquement était un service largement tourné vers le public, l'est moins aujourd'hui, mais conserve pour autant, pour la délivrance des titres, une relation régulière avec vous ou ce public. La délivrance des titres d'identité, ces NIE passeports, est assurée, comme vous le savez, par les mairies, notamment celles équipées d'un dispositif de recueil. La délivrance des titres de circulation, carte grise et permis de conduire est délivrée désormais de façon numérique. Pour autant, vous pouvez entrer en contact avec nous si un titre quelconque pose un problème au niveau de son instruction et le public peut prendre contact avec notre pôle d'accueil numérique qui permet de l'accompagner sur une procédure numérique qu'il aurait du mal à maîtriser. Le deuxième grand bloc donc, des missions de la préfecture, ce sont les missions interministérielles de coordination et de soutien. Au sein de ces missions, il y a d'abord celle assurée par le pôle d'animation territoriale qui sera votre point de ressource pour accéder aux subventions d'équipement de l'État qui, pour pouvoir démarrer son projet de rénovation d'une mairie, qui, pour une extension d'école, vous pourrez solliciter ce service pour vérifier la possibilité de mobiliser une aide. Le plus classiquement, c'est la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, ou la DECIL, dotation de soutien à l'investissement local, que nous pourrons mobiliser en faveur de vos projets.
mais parce que la réalisation d'un projet ne dépend pas uniquement toujours que du financement, parce qu'elle peut nécessiter en amont de vérifier certains points en termes de maîtrise du foncier, en termes d'urbanisme, en termes d'autorisation spécifique, notamment liée à l'environnement. Ce service peut aussi mobiliser l'ingénierie des services de l'État, DDT, DREAL, DIRECT, pour vous permettre de vérifier la compatibilité de votre projet par rapport au territoire où vous souhaitez le développer. N'hésitez pas à nous contacter et en ce sens, le service préfigure un peu ce que l'Agence nationale de cohésion des territoires fera demain et nous le révoquerons bien évidemment avec vous. Enfin, au sein des missions interministérielles, il y a l'action du pôle d'animation interministérielle qui est le service ressource pour le lancement, la communication sur toute grande publique politique interministérielle, qu'il s'agisse de l'emploi, du soutien aux entreprises en difficulté, de l'environnement. C'est donc un service qui coordonne, compose et convoque un certain nombre de commissions que vous aurez à connaître en fonction là aussi des projets qui se développeront sur vos communes ou intercommunalités. C'est aussi le service qui est support pour des ressources techniques telles que le recueil des actes administratifs dont vous pourrez avoir besoin. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur le rôle de la préfecture. N'hésitez pas à venir au contact avec nous, c'est ainsi en général qu'on règle le mieux le dossier. Les fonctionnaires de cette maison sont faits pour cela. Merci.